Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo night routine, mais une night routine du genre tu te dis bon, il y avait les vacances, c'était comme ça, et maintenant il y a eu la rentrée, donc c'est comme ça. Je vous ai un peu mis en parallèle la night routine de quand on est en vacances et que bah on n'a pas de stress, et la night routine de quand on reprend l'école ou on reprend le travail et que là c'est un autre rythme total. Et donc je voulais faire un peu le versus des deux pour qu'on voit la différence et pour vous motiver un petit peu et vous aider, parce que nous bah on va plus à l'école, donc on a plus trop de différence entre l'été et la rentrée scolaire. Mais je sais que quand la rentrée arrive, et bah ça change complètement les habitudes, et je voulais vous montrer que je pensais fort à vous dans ces moments là aussi. Et voilà, c'est tout, je vous laisse avec la vidéo. Bon, qu'on se le dise, quand le temps ne nous est pas réellement compté, c'est vraiment là qu'on a envie d'en profiter plus. Alors on traîne, on admire les paysages et on n'a plus du tout envie de regarder l'heure. De toute façon, on s'en fiche pas mal parce que c'est les vacances. Et puis arrive la rentrée scolaire, il y en a qui aiment bien, d'autres un peu moins. Et on essaye de reprendre un rythme un peu digne de ce nom. Le chrono jamais bien loin, comme si chaque minute avait son importance. Être en vacances, c'est comme avoir beaucoup de temps et ne pas avoir envie de l'utiliser. On profite de ce temps pour certaines fois ne rien faire. On prend simplement des douches, on oublie de faire les soins. Et puis de toute façon, on verra bien ça demain ou alors le jour de la rentrée. Parce que, avouons-le, quand on retourne à l'école, on n'a vraiment pas envie d'oublier les crèmes et les autres lotions micellaires. Alors évidemment, on n'a aucune envie d'avoir un bouton inopiné qui pointerait le bout de son nez. Alors on capitalise sur les soins et on oublie rien. Les soirs de vacances, on se permet tout, on peut manger des pop-corn affalés sur le canapé, personne ne nous dira que c'est pas recommandé, parce que croyez-moi, ce qui est recommandé dans ces moments-là, c'est de bien profiter. Et à partir de septembre, on se reprend en main. Je crois qu'on a tous cette double personnalité du « j'adore ne rien faire, mais en même temps j'adore m'organiser ». C'est pas vrai? Ça vous me direz. Le meilleur dans les vacances, c'est aussi de veiller jusqu'à tard, de s'endormir devant le canapé en se disant « je m'en fiche parce que demain matin, je peux dormir ». Alors on finira certainement par se réveiller en pleine nuit, à traîner notre vieille carcasse toute fatiguée jusqu'à la chambre et à s'affaler en diagonale sur un lit pas forcément fait parce que c'est les vacances. Et puis revient la période scolaire, on reprend nos vieilles habitudes, enfin du moins on essaie. Un bon livre, peut-être bien qu'on lira que 4 ou 5 pages, on verra. On peut mettre des huiles essentielles sur son oreiller pour passer la plus douce des nuits. Donc voilà pour la vidéo night routine des vacances versus night routine de l'école ou du travail. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on a filmé un petit peu à Barcelone, donc ça nous donne un avant-goût de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à la liker. Ça fait toujours plaisir, comme on vous le dit à chaque fois. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne de vlog, sur la chaîne de beauté, sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Vraiment, on est connectés partout. On discute avec vous toute la journée et tous les jours. Et ça, c'est vraiment un rêve. Donc, on continue comme ça. Et c'est top, quoi. Plein de bisous. Ciao. Nobody can drag me down.